position avec Victor Pizarro, avec cette liste de départ qui défile actuellement sur l'écran à ligne. And we are happy, the rain has stopped. It was raining here at Westmoreland Park in the morning, but now it's looking better. Ouais, la neige, la pluie, en tout cas hier soir c'était un temps des jours, puis la pluie est venue dans la nuit, avec une température actuelle aux alentours des 3 degrés ici dans le stade. 5 degrés, c'est le plus chaud sur ce parc olympique de Whistler. La neige est à 0 degré exactement. We have a good position, but Christophe, it's blowing around and yes, it could be a little more difficult on the range for the athletes. Le tir sera un élément décisif mais pas déterminant. On suit bientôt chez Eric hier, Anastasia Kuzmina tire avec un tour de pénalité, une balle dehors. C'était la même sanction pour Magdalena Neuner. La piste va du monde en jeu. Here are some of the favorites of Michael Geis of Germany, two Olympic goals last time. This is the 95 world champion, still going strong, Tomasz Sikora of Poland. And of course the Americans have been Holton Timber from Lake Placid. He is one of the favorites. And the French Open. Le français, c'est Simon Fourquet, le leader actuel de la Coupe du Monde. That was some of the names. We'll come back to you with more of the favorites. But Steve, you have something more out there. It's absolutely great to see this stadium so full of Hornet fans right here. If you got a cowbell, let it ring right now. Cowbells! More cowbell! More cowbell! If you got a flag, let it wave right out now! If you've got a voice, shout it out right now! Well, there are some of the athletes. They will come thick and fast throughout the list with 88 names. Yesterday we had a gold medal for the Slovakian team. And now, ladies and gentlemen, 1 minute to the first start. Mesdames et messieurs, nous sommes exactement à 1 minute du départ de 10 km sprint de nature. So first 3.2 kilometers, then 5 shots from the front position, and then 3.2 kilometers, 5 shots from the standing position, and then the last step to the finish. Here's one of the favorites, that's bit number 10, Emil Hegle-Svensson of Norway. Emil Hegle-Svensson, qui sera parmi les favoris avec aussi les Russes, Cherezov, Fitsudov, Tudov, et puis le dernier Russe à s'élancer en 67, Anton Chipulin. L'invention de Kennedy qui pour regarder le ciel, parce qu'à mon avis, la clé de ce sprint risque de venir du ciel, nous le voir comme on l'a déjà vu un petit peu hier avec la. We cross our fingers that it will not rain, we do have only a few seconds left, we will lift it all for the start, ladies and gentlemen. The first driver is ready, he's only 18 years of age, representing Moldova. Coming up
Yeah.
le numéro 2. Here is Vincent Chirurgia Frank Chaletto, and he is up there. Ladies and gentlemen, where are all the German flags? Here's the man.
Thank you.
tête là. Ouais. Et là, c'est une bourse qui prend une autre.
Thank you.
shows that the snow is not as quick as it was in the beginning. They have other conditions now. And the start number can play a role here. Alors c'est obligé, la neige elle ne peut pas être aussi rapide qu'au début, la pluie est venue avec une humidité dans les couches supérieures et cette humidité lorsque votre ski glisse sur la neige, il faut l'évacuer, les gouttelettes d'eau qui sont sous la semelle, il faut les évacuer et plus vous avez des gouttelettes d'eau à évacuer, et bien plus cela vous ralentit. Voilà la petite façon que j'ai envie de dire que cette glisse qui devient moins performante maintenant alors qu'il y a plus, alors qu'il y a neigé un petit peu aussi.
pilote Maxime de son prénom, sur lequel nous allons nous attarder maintenant, le 53 qui passe devant l'écran vidéo pour le Maxime Jolard from Brazil. Standing shooting now, Maxime Jolard, who had one penalty in the crown shooting. Loïc Commentaire is one in the crown. La première cible de ce tir, devant la cible numéro 16, 11,5 cm. Les cibles sont à 50 mètres, les avaient de 11,5 cm. Standing shooting. Global Baby USA, target number 19, standing shooting.
Plus personne n'est rentré dans le top 20, plus personne n'a réussi à rentrer dans les barrières de position, c'est-à-dire que, ici maintenant, on va dire un bon
Chipolin, the former junior world champion from Russia. Le classement, regardez-le sur l'écran principal, Vincent Gérardin, Emil Svensson en 2 et la troisième place pour Jakob Falk. Svensson qui sans sa pénalité pouvait remporter l'or aujourd'hui. And look up here now then, he has 4 penalties, is leading in 17th place. He has been quick on the skis, no doubt about it. But 1:41, he's gonna have a tough time on the first week if he wanna have some medals. Well, we have the first Norwegian medal here. Fritz is attending the event, and Emil Hegle Svensson is the man for Norway today. And then he was fighting for the medals with Lance Ashan in a sprint in the first year. So, well, let's see. He is clean on the bench. Maybe he has a chance there in the first year. Nous allons mardi assister à une poursuite qui va être quasiment la copie conforme de la poursuite dame qui s'élancera juste avant celle des hommes mardi, à savoir une course où tout va arriver. Attention, les positions, et c'est pas un pari, c'est exactement une certitude, les positions vont être complètement bouleversées pour la poursuite, ce sera une autre course. Mattia Cola, Italy, target number 16, not shooting for him. He had 0 in the bronze. No skills coming to the finish. That's the next team, American team, number 64. Danek Vitek, the Czech veteran, and Markus Lindes, Italy, finishing the race. Thank you.
kilometer left, so Hannibal is threatening the 23rd place. On the last climb, he has a on the bridge now. He's now at 1 minute ahead of Hannibal. Oh, we call with one penalty today. C'est l'homme en vert et rouge qui arrive pour la Biélorussie, alors que juste devant lui, vous avez affaire au numéro 68, qui vous est resté en bas en liberté. Ladies and gentlemen, let's
Yeah.
Thank you.
Top 4.